Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine le tournant de ta vie, mais c'est comment tu réagis face à ce qui t'arrive qui est le plus déterminant dans ta vie. Dans ma personne, si tu as réussi à comprendre tout ça, on peut continuer. Dans Samuel explique qu'à l'âge de 13 ans, il a décidé d'arrêter ses études et ça a profondément attristé sa mère. C'est à tel point que sa mère en a même pleuré parce qu'elle se disait, maintenant que mon fils a arrêté l'école, à quoi va ressembler sa vie? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et Samuel, après avoir vu sa mère réagir comme ça, il s'est dit, tiens, là, comme j'ai arrêté mes études, je n'ai pas d'autre choix que de réussir. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en sortir. D'une manière ou d'une autre, il faut que je m'en sorte. Donc, c'est comme ça que il va commencer par ramasser des bouts de bois dans la forêt, les regrouper en fagots et aller les revendre dans la place sur le marché. Et pendant qu'il fait son commerce de bois sur le marché, il va quand même garder à l'esprit que, mais attendez, de quoi se plaignent les gens? Quel est le problème que les gens autour de moi rencontrent? Quel est le besoin des populations qui sont autour de moi? Donc, il avait déjà ce mindset d'entrepreneur là. Parce que ma personne, petite précision, un entrepreneur, c'est d'abord et surtout un solutionneur. Oui, ma personne. Donc, si tu veux lancer un business, ne te demande pas quelle est la bonne idée business, mais commence à te poser la question, c'est quoi le problème? Et Jean-Samuel Nochongwe, après avoir passé un court séjour dans les marchés à l'âge de 12 ans, eh bien, il avait déjà ce mindset-là. Donc, en se posant ces questions-là, en observant, en écoutant, il se rend compte que très souvent, les gens se plaignent du fait que leurs toitures sont trouées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en 1980 et à cette époque-là, les toitures de la plupart des maisons dans l'Ouest Cameroun étaient faites de paille. Donc, ça s'abîmait très vite à cause des intempéries. Donc, il va se dire, tiens, problème, opportunité, business. Il ne va pas se lancer dans la critique chronique comme je vois beaucoup de gens se plaindre partout, machin, le pays va mal. Non, ce n'était pas son problème. Il avait un cerveau orienté, opportunité. Et donc, il va se rapprocher de l'un des artisans les plus talentueux en ce qui concerne la construction des toits en raffia. Et donc, auprès de lui, il va apprendre. Il va tellement vite apprendre. Et avec ses notions de marchandage et tout, il va faire fructifier le business de ce monsieur. Petite précision encore ici, c'est que personne ne fait fortune seul. Et comme il avait bien conscience de ça, il va bâtir un système. Comment est-ce que va se construire ce système? Il va faire venir ses frères cadets dans cet atelier-là, ceci afin qu'ils puissent rendre le business beaucoup plus grand, servir beaucoup plus de personnes et donc gagner plus d'argent. Parce que dis-toi que la loi de l'impact dit que la quantité d'argent que tu gagnes est intrinsèquement liée au nombre de vies que tu impactes. Donc, plus le nombre de vies que tu impactes est grand, plus tu gagnes d'argent. Et ça, les personnes qui ont beaucoup d'argent ont compris. Et Jean-Samuel Nochongwe l'avait déjà compris. Donc, c'est comme ça qu'ils vont construire la première entreprise de fabrique de toit en raffia dans l'Ouest Cameroun. Et je tiens à préciser, à ce moment-là, Jean-Samuel Nochongwe n'avait que 13 ans. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mais bon, Samuel ne va pas s'arrêter là. Parce qu'au fil du temps, il y a quelques clients qui lui demandaient s'il pouvait fabriquer des portes et des fenêtres en raffia pour eux. Donc, cette demande va mettre la puce à l'oreille de Samuel et il va se dire, attends, s'il y a des clients qui me demandent de faire cela, ça veut dire qu'il y a peut-être un marché derrière les portes et les fenêtres en raffia. C'est donc comme ça que Samuel va se diversifier en faisant des portes en raffia, des fenêtres en raffia, des toits en raffia, mais aussi et surtout de la vaisselle en raffia. Bon, ma personne, faisons un léger bond en arrière. Nous sommes en 1946, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et Samuel décide d'aller s'installer à Bafoussam chez son oncle. L'oncle de Samuel, c'est un tailleur. Et Samuel, en bon opportuniste, se rend compte que la couture, c'est un business très juteux. C'est donc dans cette optique-là qu'il va lui aussi se mettre à la couture. Et ça va d'ailleurs se révéler un business très juteux pour Samuel aussi. C'est en ce sens où, en très peu de temps, il va réussir à accumuler un pactole plus important que sa mère aura mis toute une vie pour accumuler. Et donc, quand il va présenter ce pactole-là à sa mère, c'est là que ça, le regard de sa mère vis-à-vis de ses différentes activités va totalement changer. Et c'est là qu'elle va commencer à prendre Samuel Nochongwe
au sérieux et ça va la rassurer. Dans ma personne, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que tu sais très souvent, lorsqu'on veut arrêter d'aller à l'école pour se lancer dans des business, nos parents vont très souvent opposer une certaine résistance. C'est normal parce que chaque parent veut voir son enfant réussir. Donc, décider de prendre le risque d'entreprendre, eh bien, très souvent, ça rend le parent sceptique, surtout quand on sait que la plupart de nos parents ont une mentalité de salarié. Ils ont peur que tu rates ta vie, donc c'est la peur qui fait en sorte qu'il soit très dubitatif lorsque tu veux te lancer. Et c'est maintenant à toi de les rassurer. Mais pour les rassurer, il faut que tu leur montres des résultats. Il faut leur montrer que tu es capable de t'en sortir dans ton business. Et c'est justement ce que Samuel a fait. Il a fait ce qu'on appelle la preuve par l'objet. Par la suite, Samuel, toujours en bonne opportunité, il savait où il voulait aller. Ce qu'il va faire, c'est que il va créer ce qu'on appelle une vente croisée. Donc, à côté de l'atelier de son oncle, il va créer un petit étalage dans lequel il vend d'autres produits pour se maquiller. Bref, des produits pour des femmes, quoi. Parce que ces produits qu'il produisait suite à la couture, c'était essentiellement des vêtements de femmes. Donc, il proposait d'autres accessoires de mode en parallèle. C'est un peu comme tu viens, on te coud un beau tissu pagne. Et une fois que tu veux ressortir avec le pagne, on te dit, tiens, ce collier-ci irait très bien avec cette tenue. Ça, c'est de la vente croisée. Déjà, Samuel, notre moi, n'a pas eu besoin d'aller à l'école pour comprendre ces genres de notions. Par la suite, il voulait grossir, il voulait voler ses propres ailes. Mais ne voulant pas faire de la concurrence à son oncle, qui était en fait son maître, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider d'être un tailleur ambulant. Bon, maintenant, nous sommes en 1948. Samuel n'a que 15 ans. Et puisque le vent de la décolonisation commence à souffler un peu au Cameroun, il y a beaucoup de turbulences. Du coup, l'armée coloniale est hyper musclée, donc elle est très violente et elle a peur des populations. Ceci à tel point que les autochtones ont même peur de se rendre au champ. Donc, ce qui va suivre, c'est qu'il va y avoir une crise alimentaire sévère au Cameroun. Samuel Nothongwe, en tant qu'entrepreneur, avec un cerveau orienté aux opportunités, il se pose toujours la question de savoir. Là, il y a un problème. Comment je fais pour gagner de l'argent à partir de ce problème? C'est donc dans cette optique-là qu'il va décider de se rendre dans la ville de Douala pour pouvoir trouver des denrées alimentaires pour pouvoir revenir les vendre à Bafoussam. Donc, une fois dans la ville de Douala, en sillonnant les rues de Douala, il se rend compte qu'il y a des carcasses de véhicules qui jonchent les rues de la ville de Douala. Et donc, il regarde les carcasses de véhicules et il se rappelle que très souvent, les agriculteurs à Bafoussam ont des outils qui sont très endommagés. Et il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces vieilles carrosseries de véhicules qui sont abandonnées? C'est donc comme ça qu'il prend celui avec les économies qu'il avait d'acheter ces carrosseries-là, de les ramener à Bafoussam et de travailler avec des forgerons, ceci afin de fabriquer des houes, des machettes, des pelles, pour pouvoir permettre aux agriculteurs de travailler. C'est donc comme ça que Jean-Samuel Nothongwe, pendant une période de crise, réussit à mettre en place sa première quincaillerie dans la ville de Bafoussam qui va appeler la quincaillerie nouvelle. Donc par la suite, au cours des années 1960, il va en racheter deux autres. Donc il va avoir son actif, en période de crise, je précise bien, trois quincailleries. Comme quoi, même pendant les périodes de crise, il y en a qui se font beaucoup d'argent. Donc ma personne, c'est une notion hyper importante à garder à l'esprit parce que peu importe le moment qu'on traverse dans la vie, machin, truc, il y a toujours moyen de se faire de l'argent. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des multimillionnaires qui sont nés. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement parce que partout où il y a des hommes avec grande tâche, il y a aussi de l'argent à se faire. C'est à toi de trouver le moyen de prendre l'argent qui se trouve dans la poche de ton voisin et de le ramener dans ta poche. Dans la foulée, il y a les banques qui commencent à s'installer au Cameroun. Mais Samuel Nothongwe, très traditionnaliste, était très sceptique à l'idée de devoir déposer son argent dans une banque. Donc, il continue à amasser son pactole dans une caisse dans ses quincailleries. Sauf qu'un soir, il y a un incendie qui se déclare dans le marché et sa quincaillerie ne va pas être épargnée. Et donc, ce soir-là,
il va perdre 5 millions de francs CFA. Donc, en 1960, tu imagines ce que représentait 5 millions de francs CFA? Donc, suite à ce malheureux événement, il se dit, bon, quoique peut-être il est temps que je fasse quelque chose. Donc, il va se rendre dans une banque, dans la ville de Bafoussam, pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut créer son propre compte en banque. Et une fois dans cette banque-là, les banquiers vont se rendre compte que c'est un monsieur très influent et ils vont lui faire une proposition. Celle de savoir si lui, il pouvait acheter un terrain, de telle enseigne que cette banque-là pourrait construire les locaux sur place et lui verser les frais de location de l'espace. Et là, Samuel Nochongwen va sauter sur l'opportunité parce qu'il avait l'opportunité là de ramener une banque non loin de chez lui. C'est donc comme ça qu'il a réussi à faire installer une banque non loin de son local. Bon, ma personne, l'honnêteté et l'intégrité sont deux règles en or quand il s'agit de business. Pour que tu comprennes mieux ma personne, je t'invite à être très attentif à ce qui va suivre. Nous sommes en 1968 et jusqu'ici, Samuel Nochongwen a réussi à bâtir sa fortune uniquement grâce à ses quincailleries et à ses biens immobiliers. Donc en 1968, Victor Fotso va venir voir Jean-Samuel Nochongwen afin qu'ils se mettent ensemble pour concevoir la première industrie qui faisait dans la production de fournitures scolaires appelée SAFCA. Ceux qui vivent au Cameroun savent très bien de quelle entreprise est-ce qu'il s'agit. Il va se passer un deuxième événement qui va marquer un tournant dans l'avenir industriel de Jean-Samuel Nochongwen. En fait, ça part d'une histoire toute bête. Jean-Samuel Nochongwen va faire une commande de tôle auprès de son fournisseur qui était un Français appelé Delessen. Sauf que les machines de Delessen avaient un problème de réglage. Du coup, ils vont fournir 2000 tôles en plus à Jean-Samuel Nochongwen par erreur. Donc, une fois que Jean-Samuel Nochongwen va se rendre compte qu'il avait 2000 tôles supplémentaires, eh bien, il va les vendre et il va appeler son fournisseur pour lui dire « dans le dernier stock que tu m'as fourni, il y avait 2000 tôles supplémentaires. Donc, voici l'argent qui équivaut à ces 2000 tôles supplémentaires. » Premièrement, ça aura permis à son fournisseur de se rendre compte que sa machine avait de gros soucis de réglage. Donc, ça veut dire qu'il avait perdu beaucoup d'argent. Et deuxièmement, son fournisseur va se rendre compte à quel point Jean-Samuel Nochongwen était quelqu'un d'honnête et d'intègre. Donc, en guise de reconnaissance, il va permettre à Jean-Samuel Nochongwen d'avoir l'exclusivité en ce qui concerne la possession, la vente des tôles dans l'Ouest Cameroun. La deuxième chose, c'est qu'il va permettre à Jean-Samuel Nochongwen de payer les tôles avec 20 jours de décalage. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que ça pouvait apporter, juste parce qu'il a été honnête. Et ça ne va pas s'arrêter là. Parce que, comme je te l'ai toujours dit, le plus important dans le business, c'est le réseau. Un bon vendeur, un bon entrepreneur, un bon businessman a toujours un réseau. Parce que les meilleures opportunités de business ne circulent qu'entre les membres d'un réseau. Ça ne passe pas à la télé, ça ne passe pas sur Facebook, ça ne passe pas sur YouTube, non. C'est au sein du réseau que ça circule. Donc, Delessen qui était justement dans le réseau, il va avoir vent d'une information comme quoi il y a une très grande entreprise française qui veut avoir une filiale au Cameroun. L'entreprise en question, c'est l'entreprise qui s'appelle BIC. Donc, il y avait beaucoup d'entrepreneurs camerounais qui étaient sur l'appel d'offres et tout. Mais Delessen va aller appuyer la candidature de Jean-Samuel Nochongwen auprès des différents entrepreneurs, ce qui va permettre à Jean-Samuel Nochongwen de gagner ce marché-là. C'est donc comme ça que va voir sa deuxième industrie qui va s'appeler Icrafond. En fait, cette entreprise-là faisait dans la production de stylos, de crayons à papier, bref, beaucoup de trucs toujours en rapport avec l'école. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Tu vois à quel point être intègre et honnête en business peut être hyper important. Ma personne, Feu Kadji de Fosso avait pour habitude de dire que ce qui va dans la bouche de l'homme donne toujours de l'argent. Et ça, Jean-Samuel Nochongwen le savait très bien. Donc, au cours d'une discussion avec l'un de ses fils appelé Roger, l'un de ses fils va lui dire, mais papa, j'ai remarqué que au Cameroun, les Camerounais mangent beaucoup de porc. Donc, pourquoi ne pas faire construire une ferme d'élevage de porc?
C'est donc comme ça que Jean Samuel, notre oncle, dit à son fils, mets un peu ce projet-là en place, histoire qu'on voit un peu ce que ça peut donner. Et une fois le projet lancé, il se rend compte de deux choses. Premièrement, il fallait 2 kilos de provende par jour par porc. Et deuxièmement, il se rend compte qu'il y a beaucoup d'éleveurs de poulets qui ont dû fermer leur ferme parce qu'ils n'avaient pas assez de provende. Problème, il y a l'opportunité de business. C'est donc dans cette optique-là que va germer l'idée de concevoir la première société de provenderie camerounaise en association avec les Belges. Et cette société-là ne ravitaillait pas que le Cameroun. Parce que le problème que le Cameroun rencontrait, il y avait les pays de la sous-région qui rencontraient le même problème parce qu'ils n'avaient pas de provenderie. C'est donc comme ça qu'il va livrer à la fois les éleveurs camerounais, mais aussi les éleveurs aux alentours. Donc quand j'entends des gens dire que au Cameroun, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, moi j'ai dit, mais c'est juste un problème de perception. Parce qu'avec tous ces problèmes-là, problème, opportunité de business, maintenant il faut juste du courage pour se lancer là-dedans. Il y a énormément d'argent à se faire en Afrique. Je pense même qu'il y a plus d'argent à se faire en Afrique qu'en Europe. Parce qu'en Europe, il y a tout qui est déjà trop bien fait. Donc du coup, pour se démarquer, ça devient plus compliqué. Alors qu'en Afrique, il y a des boulevards, il y a des secteurs inexploités. Mais c'est juste qu'on a besoin des personnes courageuses pour rentrer là-dedans et se dire, bon, avec de la détermination, je vais aller jusqu'au bout. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc arrêtez de critiquer, de dire, ouais, l'Afrique va mal, machin, truc. Non, il y a des opportunités. Et dites-vous une chose, c'est que très souvent, on a des gens, il y a des problèmes au Cameroun et ils viennent se plaindre en Europe. Un, se plaindre n'a jamais résolu le problème. Deux, on se plaint chez les mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est qu'à force de dire au Cameroun, les gens ont faim, au Cameroun, c'est la misère, au Cameroun ou en Afrique en général, c'est la guerre, on a un président qui tue sa population, c'est l'instabilité. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que les investisseurs qui avaient l'idée de venir investir sur place, eh bien, ils n'ont plus envie de venir. Et du coup, qui c'est qui perd? Ce sont vos petits frères qui sont sur place parce qu'ils ont des fois de beaux projets, mais il leur manque l'investissement, il leur manque le financement. Mais comme vous avez déjà découragé les investisseurs, eh bien, du coup, c'est vous qui allez maintenant investir dans les projets de vos petits et après vous dire que ouais, on vous demande tout le temps des choses. Moi, il n'y a que chez nous, les Africains, que moi j'ai vu des gens tout le temps venir salir l'Afrique à l'extérieur. Mais regardez les autres communautés. Jamais je n'ai vu les autres communautés, que ce soit chinoises, algériennes, marocaines, turques, venir me dire de leur pays d'origine en France. Non. Si vous voulez vous plaindre du Cameroun, allez vous plaindre du Cameroun auprès des Camerounais. Parce que c'est eux-mêmes qui ont la solution à leur problème. La France ou bien l'Espagne ou l'Italie, l'Allemagne ne viendra jamais développer l'Afrique à notre place. Donc il faut que les Africains apprennent à s'occuper de leurs propres problèmes. Mais Jean Samuel Lochongwen ne va pas s'arrêter là parce qu'en 1984, il va mettre sur pied une entreprise qui s'appelle Agrocam. Agrocam, c'était une industrie qui faisait dans la production des poussins de deux jours. Mais le côté le plus astucieux dans la création de cette industrie là, c'est que lorsqu'ils vendaient les poussins de deux jours aux éleveurs, eh ben ils leur vendaient aussi la provenderie qui provenait de cette société appelée SPC à ces éleveurs. Je ne sais pas si tu vois un peu le délire, mais il va aller plus loin. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne fait pas de l'élevage sans faire de l'agriculture à côté. Donc, puisqu'il avait une ferme de porc, les excréments produits par ces porcs-là étaient utilisés comme engrais pour ces différents champs qui produisaient de la provenderie pour pouvoir nourrir les poulets de deux jours qu'ils vendaient aux éleveurs. Est-ce que tu vois le génie du truc? Donc en fait, il évoluait en vase clos. Ceci afin d'éviter d'être influencé par le katika, par une personne extérieure. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc, sa biographie en fait montre à quel point nos industriels en ont dans le cerveau. Et on devrait apprendre à copier sur eux. Parce qu'ils nous permettront de nous rendre compte que on peut s'en sortir en Afrique, même en temps de crise. Oui, ma personne. Et moi, je me suis donné pour mission de les mettre en lumière parce que je pense que ça peut être très édifiant pour les populations africaines. Parce qu'il est temps pour nous, Africains, qu'on apprenne à s'occuper de nos propres problèmes. Donc voilà, ma personne, ce que je voulais partager avec toi au sujet de la biographie de feu Jean Samuel Lochongwen, qui est décédé en 2019 à l'âge de 87 ans, donc paix à son âme. Mais quand même, il nous aura laissé
de très belles œuvres. Et ma personne, je t'invite vraiment à chercher à en apprendre un peu plus sur des personnes comme celle-là, parce que vraiment, ce sont des bibles. Sur ce, ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble. Je donne rendez-vous en description et je te dis à la prochaine vidéo. Minakano.